Mesdames, messieurs, bonsoir. Je vous souhaite à tous la bienvenue dans ce magazine des 9e Jeux des îles de l'océan Indien. De nouvelles performances encore ce soir, mais aussi des rebondissements pour cette 5e journée de compétition. Et pour commencer, retour sur le carton des judokas réunionnais dans ces Jeux. En individuel ou par équipe, ils ont fait trembler le dojo régional et livré une véritable démonstration de force et de technicité sur les tatamis avec 11 médailles d'or. L'objectif fait dépasser la Réunion, bat même son record de 2003. Valérie Fila. Anne Daffreville, chef de file de cette équipe féminine réunionnaise, n'a pas de temps à perdre. Combat expéditif, hippon sur une adversaire qui quitte le tatami sur une civière. La Réunion est là pour faire son grand chelem et ce jeudi, ça démarre plutôt fort. Mais quelques minutes plus tard, Maureen Parisot, cheveux colorés, regard déterminé, se laisse surprendre. Ochigari, Yuko, un point pour l'imposante Annabelle La Providence. La Mauricienne transforme l'essai peu de temps après. Wazari, immobilisation, combat perdu. Parisot accuse le coup. La Réunion laisse filer l'or, médaille d'argent dans cette finale par équipe. Petite déception, mais pas de quoi faire oublier l'exceptionnel palmarès de nos judokas. Avec 11 médailles d'or, 2 d'argent et 2 de bronze, le record des Jeux des îles de 2003 est aux oubliettes. Les Grimaud, Daffreville frères et sœurs et autres rivières ont tout raflé, faisant vibrer tout le public réunionnais. Leur capitaine, porte-drapeau de toute une délégation, y est sûrement pour quelque chose. Et justement, on va entendre Mathieu Daffreville, le porte-drapeau réunionnais et médaillé d'or chez les plus de 100 kilos, est en direct avec nous. Mathieu, bonsoir. Sacrée moisson, bonsoir. Il ne manquait finalement pas grand-chose pour faire le grand chelem. Ah, c'est sûr qu'on a fait quelques petites erreurs, donc on n'a pas pu faire le grand chelem, mais on est déjà satisfait de cette belle moisson. Alors, c'était vos premiers Jeux. Vous avez dit sur notre plateau la semaine dernière que c'était forcément l'or ou sinon ça allait être la honte. Alors, on peut dire que là, l'honneur, il est plus que sauf pour vous. Ah oui, super. Honneur, fierté, soulagement aussi parce que j'avais une belle pression sur mes épaules. Et voilà, je suis très soulagé et très content. Qu'est-ce qu'il y a, Mathieu, qu'est-ce qui a soudé votre équipe tout au long de cette compétition? Est-ce que l'émulation entre vous a permis justement ces performances? Oui, c'est sûr qu'on a fait beaucoup de stages, on s'est isolé un peu à Salazie. On a fait plusieurs entraînements qui ont pu nous souder aussi. Chacun a sa propre histoire personnelle, marquante, touchante, et ça a donné aussi de quoi cimenter un peu le groupe. Et voilà, grâce à tous ces petits détails-là, on a réussi à arriver fort et assuré. Mathieu, lors de votre remise des médailles, on l'a revu d'ailleurs dans les images à l'instant, vous avez entonné la Marseillaise avec à vos pieds un drapeau tricolore qui a été déposé par Nassima Dindar, la présidente du Conseil général. Est-ce qu'il était vraiment inconcevable qu'il en soit autrement ? Oui, moi, je ne veux pas faire mon champion, mais en tant que sportif qui faisait partie de l'équipe de France, je peux vous assurer qu'en m'entraînant à l'INSEP, j'ai toujours parlé avec tous les champions que je connaissais et leur récompense, c'était l'hymne national et le drapeau français qui hisse tout en haut lorsqu'ils sont sur la plus haute marche du podium. Et je trouve inconcevable de ne pas entendre la Marseillaise après une victoire. Merci Mathieu d'avoir réagi sur notre antenne ce soir. Bravo à vous et bravo à toute l'équipe. Athlétisme, sa spécialité c'est le triathlon. Il est à ce propos en ballottage favorable pour participer aux prochains Jeux Olympiques à Rio. Mais ce jeudi, c'est sur l'épreuve du 5000 mètres que David Hausse devait faire ses preuves. Le club réunion a d'ailleurs beaucoup misé sur lui pour ramener l'or. Et le double champion d'Europe de triathlon a-t-il relevé le pari pour ses premiers Jeux? La réponse avec Hermina Lasson et Alix Catherine. Invulnérable, brillant. Bien que le 5000 mètres ne soit pas sa spécialité, le réunionnais David Hausse décroche l'or, tranquille. J'ai fait un long voyage, donc je n'ai pas pour rien non plus. C'était un super challenge, un beau challenge que je m'étais donné. J'avais vraiment envie de le réussir. Je savais que j'étais en forme et que ça allait être difficile de me battre. Après, à 3,
J'ai vu qu'ils commençaient à prendre des relais et tout. J'ai dit, bon, bah là, faut mieux pas rester avec eux. Si t'es bien, attaque-les plutôt que de subir. Donc voilà, puis après, super quoi. Arrivé de Rio il y a tout juste 2 jours, David reste au meilleur de sa forme. Il lui était impensable de ne pas être présent au jeu, ne pas être présent pour son île. Pour le dit. C'était quelque chose voilà, que je voulais faire et j'aurais peut-être pas une autre opportunité de courir à La Réunion. David repartira avec de l'or dans ses valises, de quoi le motiver pour les JO au Brésil. Bravo à vous, merci. En haltérophilie, La Réunion n'a encore une fois pas soulevé l'or aujourd'hui chez les dames. Les espoirs placés en Larissa Saint-Jacques n'ont pas été concrétisés. Dans la catégorie des moins de 69 kilos, la réunionnaise doit donc se contenter de l'argent. C'est la mauricienne Emmanuelle Labonne qui a été la plus forte à l'arraché, à l'épaulé jeté et au total olympique. Je vous propose de l'écouter au micro de Robert Deschambault et de nos confrères de la MBC. Merci ça bon Dieu là. Tant qu'on m'a crié, il est là pour moi. Et en 2011, je rate mon médaille d'or par rapport à l'écho. Et moi, cette fille-là, je fais la même performance puisqu'il y a un battement d'eau pour l'écho. Et cette année, mon mari travaille pour ça. Place à la boxe. La Réunion reçue 7 sur 10 en finale du tournoi. Hier soir à Saint-Pierre, Eric Dagar, Morvan Félix et surtout Marcus Gevia ont dû faire étalage de tous leurs talents pour venir à bout de leurs adversaires malgaches et mauriciens. Et au bord du ring, il y avait Johnny Lérivain et Alix Catherine. Ambiance percussion dans les gradins et sur le ring, un récital en coup de poing majeur avec Marcus Gevia en rouge dans le rôle du parfait soliste. Je touche, j'esquive et je retouche. Le malgache tombeau est désorienté. C'est un régal pour le public de Saint-Pierre. Et Gevia en mode virtuose s'impose à l'unanimité et passe sans problème en finale des 52 kilos. C'était vraiment important pour moi de me qualifier pour la finale. À La Réunion, c'était une certaine pression aussi parce que j'avais beaucoup de public qui est venu me voir. Et j'avais hâte de bien boxer, c'est chose faite. Et maintenant, c'est la finale et je suis content. Et j'espère que tout le monde va regarder la finale à la télé et me suivre parce que vraiment, ça me fait trop plaisir d'être ici. 60 kilos, Eric Dagar en rouge retrouve le mauricien John Collin pour un remake de la finale 2011. Un remake plus heurté, plus rude, une vraie baston. Collin d'ailleurs sera ouvert aux deux arcades après le deuxième round. Forcément après, Dagar va frapper fort là où ça fait mal pour s'imposer à la majorité. L'essentiel sans trop la manière. Par rapport à tous les problèmes que j'ai eu, ça s'est ressenti un peu sur le ring par une agressivité. Peut-être pas assez bien contrôlé, une mauvaise gestion, mais je gagne avec la rage, parce que j'avais la rage au ventre. Et la rage, Morvan Félix en bleu, là aussi au moment d'affronter Jean-Luc Rosalba, sa bête noire mauricienne. Cette fois-ci, devant tous les siens, le marmaille de bois d'olive dicte sa loi, victoire à la majorité, avec plein d'émotions. C'est la troisième fois que je boxe avec lui, il est dû. Et aujourd'hui, pour ma revanche, merci mon papa, Félix Darieux, de là pour moi, mon entraîneur, Willy Blanc, toute l'équipe de la sélection, merci à tous. Des larmes de joie pour une première finale au jeu. La Réunion est reçue 7 sur 10 en finale du tournoi de boxe. Hier soir, seul Georges Castel, ici en bleu, s'est arrêté au stade des demi, battu par le Seychellois Jean Jovet. Voilà, des finales qui se disputeront demain soir. Et pour savoir ce qui s'est passé dans les autres disciplines, voyez ce reportage, encore de l'or et des records pour la natation locale. Et puis, demi-finale double en tennis, un tour d'horizon commenté pour nous par Hakim Ali Saïd sur des images des télévisions de l'Artois. Les Réunionnais ont été impériales dans le bassin du Chaudron cet après-midi. C'est en tête qu'ils ont sorti la tête de l'eau dans pratiquement toutes les courses. Une belle moisson de 9 médailles d'or sur les 11 qui étaient convoitées, avec des records à la clé. 50 mètres brasse, victoire de Géraldine Höfner en 33 secondes et 49 centièmes, le record des Jeux. Pierre-Yves Depré redonne aussi une médaille à La Réunion sur 100 mètres d'eau en 58 secondes, 40 centièmes. Comme hier, la Seychelloise Alexus Lerbe a ravi la première place sur le 100 mètres d'eau. Enfin, les Mauriciens ont de leur côté remporté le relais 4x100 mètres nage libre devant les Réunionnais et les Seychellois. Madagascar et La Réunion restent le duo dominateur du tennis dans l'océan Indien. Dans les tableaux finaux, pratiquement tous les duels sont franco-malgaches.
En double dame cet après-midi, les Mauriciennes n'ont pas fait long feu face à la technicité et à la puissance des Réunionnaises. Dans l'autre demi-finale, Madagascar s'est largement imposée devant la deuxième équipe réunionnaise. La finale opposera samedi la Réunion à Madagascar. Même affiche dans pratiquement tous les tableaux, avec de beaux duels en perspective samedi et dimanche à Champfleury. Un homme à suivre, le malgache Jacob. Cette fois, c'est sûr, les volleyeuses réunionnaises ne disputeront pas de demi-finale. Après la disqualification de Myriam Kloster par le Kige, l'équipe tout entière est exclue des Jeux par la Commission technique internationale. Une décision qui intervient au terme d'une journée de tractation. Le point avec Christelle Fleury-Court et Géraldine Blandin. Victime d'une sombre machination, la Ligue de volley se pose la question. Après environ 2 heures de discussion cet après-midi, la Commission technique internationale décide de ne pas revenir sur sa décision. L'équipe féminine de volley est définitivement exclue des Jeux. Je suis écœurée, dégoûtée. Je vous dirais que j'ai plutôt envie de vomir par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui. Depuis qu'on a commencé les Jeux, on se fait humilier, on se fait insulter, on se fait rabaisser. Et on nous dit, voilà, mais c'est dans toute sportivité. On a été, nous, La Réunion, on nous dit qu'on ne fait pas partie de la France. Voilà, c'est des propos tenus par des personnes responsables des autres fédérations. Ce matin, après de longues tractations, là encore, le Conseil international des Jeux est revenu sur le cas Kloster. Mais une fois encore, les nouvelles preuves fournies par la Fédération française de volley, attestant que la Créopolitaine a effectivement été licenciée 5 ans à La Réunion, sont refusées. Malgré cette présentation, après de longs débats, les membres du Kige ont refusé cette attestation et sont restés sur la position d'avant-hier, ne qualifiant pas que Myriam Kloster. Compte tenu des événements, la demi-finale est reportée à demain. Maurice affrontera Madagascar. La Réunion disqualifiée, les Seychelles se retrouvent directement propulsées en finale. J'ai le plaisir, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir maintenant mon confrère de Mayotte Première, Toufaï Ndilani, bienvenue. On va bien sûr parler des sportifs maorais et pour leur troisième participation aux Jeux, on peut déjà dire qu'ils ont montré qu'ils ont élevé leur niveau et leur performance. Tout à fait, Annabelle. Oui, définitivement, un pas a été franchi. Il y avait seulement 2 médailles il y a 4 ans aux Seychelles. Et cette année, on va sans doute dépasser la barre de 8. Oui, le sport maorais a gagné en maturité. En handball féminin, notamment, les Maoraises ont été la bonne surprise de ces Jeux. Et on va voir tout de suite le dernier but qui scelle définitivement la victoire des Maoraises contre Maurice. Mayotte en finale au bout d'un match qu'elles ont littéralement dominé. Elles avaient la dalle, on peut dire, les Maoraises. Elles avaient fait d'autant que c'était leur première participation au jeu. Elles rêvent désormais de l'or et quelle que soit l'issue, c'est déjà une belle histoire. Et pour être complet, Toufaïli, sur ces demi-finales dames, l'autre demi-finale opposait La Réunion à Madagascar et c'est La Réunion qui l'a emporté. Et du coup, l'affiche de cette finale opposera La Réunion aux Maoraises. Toufaïli, chez les garçons, bonne opération aussi pour la bande à Bavou. Voilà, les garçons se sont bien inspirés de leurs homologues féminins. 28 à 25 cet après-midi, victoire maoraise contre les Seychelles. C'est donc la fête du handball maoraise. Et là, pour le coup, on peut parler de parité pour le meilleur, espérons, à Mayotte. Et pour être complet aussi chez les garçons, Réunion Madagascar se joue en ce moment même. C'est La Réunion qui mène, donc on peut aisément penser que l'autre affiche en finale, ce sera également Réunion Mayotte chez les garçons. Toufaïli, mardi, 3 Maorais ont marqué les esprits et les jeux, non seulement pour leurs exploits sur le terrain, mais aussi par la façon dont ils ont célébré le triplé au javelot. Et depuis, vous les avez rencontrés. Tout à fait, nos 3 champions reviennent sur ce trop-plein d'émotions et de tensions. Nos 3 lanceurs de javelot, toujours entourés de leurs camarades de l'athlétisme. Reportage tourné hier avec Daniel Abdou de Mayotte Première. Voilà donc le 5 majeur de l'athlétisme maori. Au lendemain de l'exploit, c'est un peu la balade des gens heureux. Un exploit XXL qui fait de Fahadidine Madi, Sultan Ali et Kombo Zouber les héros de toute une île. On s'est préparé et même si on ne savait pas qui allait faire quelle place, mais on s'est tous dit que
peu importe, on allait faire notre mission, le remplir. Et hier, on l'a fait. Et pendant la compétition, on s'encourageait, mais on ne lâchait pas prise. Même si on était quatre, il faut l'avouer, mais on était venus pour remporter quelque chose et on l'a tous fait. J'ai su comment faire face un peu donc aux conditions, sachant en fait qu'il a fait un peu frais, il y avait un peu de vent donc vite fait, donc il fallait faire face. Donc avec l'expérience, j'ai su me servir un peu donc de ce qui m'est arrivé donc aux Seychelles il y a 4 ans pour faire la différence. On peut dire. Un trio magique, certes concurrent d'un jour, mais toujours avec un esprit d'équipe. Ils ont donc marqué l'histoire des Jeux par la force de leurs bras, mais aussi par la puissance de leurs poings. Point levé sur le podium, un geste hautement symbolique qu'ils voulaient positif, mais en aucun cas polémique. On a voulu symboliser un peu la paix entre les sportifs, la paix entre le peuple de l'océan Indien. Donc ces Jeux, si on est là, c'est grâce au sport. Et nous, en tant que sportifs, vu tout ce qui se passait autour, on a dit qu'il faut qu'on marque quelque chose. Donc instantanément, on s'est concerté, on a dit on va lever le poing en signe de, non pas de protestation, mais de montrer quand même que le sport doit primer sur tout. C'est donc ici à La Réunion, terre française, que Mayotte a pu chasser ses complexes au point de bousculer les habitudes d'un événement dans lequel ils se sont sentis étrangers pendant des années. Ce sont des images fortes qui ont fait le tour des télévisions de la zone et des réseaux sociaux. Quel impact leur geste a eu dans la zone ou plus précisément à Mayotte ? À Mayotte, tout le monde, d'une manière générale, a salué ce geste parce que là-bas, d'une manière générale, on assume la dimension politique de ces Jeux et donc ce geste qui avait une connotation, on sait, en tout cas historiquement partagée par le fait qu'il rappelle un geste qui a été effectué par un Américain en 1968. Donc, tout le monde a apprécié ce geste parce qu'il fallait assumer dans ces Jeux la dimension politique. Merci Toufaïli d'être venu nous parler des sportifs maorais. Et puis toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter un joyeux anniversaire ce soir. Merci, c'est gentil. Coup de projecteur maintenant sur les contrôles antidopage. Il est certain que cette 9e édition des Jeux n'obtiendra pas la palme de la meilleure organisation. En revanche, l'événement est-il propre ? Ce qui est sûr, c'est qu'un dispositif est déployé pour garantir une compétition saine. Alors comment cela fonctionne ? Des précisions avec Mira Labiche et Jimmy Léon. C'est l'Agence française de lutte contre le dopage, l'AFD, qui a été mandatée par les organisateurs de ces Jeux des îles de l'océan Indien pour mettre en place des opérations de contrôle. L'homme mandaté pour organiser la lutte, c'est lui, Jean-Yves Morel. Il nous explique que les 3 premiers athlètes de chaque épreuve sont systématiquement soumis à des tests réalisés par 9 préleveurs au total pour l'ensemble de la compétition. Objectif, une 60aine d'échantillons au total. On ne fera que des tests urinaires. Dans chaque 300 substances seront analysées. Ça peut être les molécules de PO par exemple, ou les molécules qui amènent augmenter la force musculaire. Nous avons rencontré ces athlètes juste avant qu'ils soient contrôlés. Pour la majorité d'entre eux, ces tests sont très importants. Comme ça, on est sûr que tout le monde est au même niveau, qu'il n'y en a pas qui se pique pour être plus fort. Ça est déjà là. Ces tests sont déjà là, ils fassent le boulot, c'est une bonne chose. Mais il y a tout de même des critiques. Certains pensent, par exemple, que ce sont toujours les mêmes disciplines et les mêmes délégations qui sont visées, des critiques rejetées par Jean-Yves Morel. Pour lui, l'indépendance et la transparence sont totales. Il y a une haltérophile réunionnaise qui a été contrôlée hier. Les Seychellois seront contrôlés. Les Malgaches, les Mauriciens. C'est notre volonté de jouer l'équité. Tous les échantillons partiront au laboratoire agréé de Châtenay-Malabry en métropole. Dans 6 mois seulement, l'AFD présentera son rapport. Le KIJ aussi dressera un bilan. À l'arrivée, la sanction pour les éventuels dopés, ils devront rendre leur médaille. Et comme tous les soirs, avant de nous quitter, on fait le point sur le tableau des médailles que vous allez découvrir sur vos écrans. Vous le voyez, La Réunion est toujours en tête avec aujourd'hui 42 médailles d'or, 38 en argent, 32 en bronze, suivi de Maurice avec 33 médailles d'or. Madagascar, elle totalise 28 médailles d'or. Et puis Mayotte et Maldives referment la marche. Mayotte qui est passée devant Maldives aujourd'hui avec 2 médailles d'or. C'est la fin de ce magazine des Jeux des îles. Merci encore une fois de nous avoir accueillis chez vous. Nous vous donnons rendez-vous demain à 19h30. Passez une excellente soirée.